Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. Commençons notre revue de la presse ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Développement local, prise d'assaut ». Un accord cadre a été signé hier entre une filiale du groupe français et l'association Communes et Villes Unies du Cameroun, CVUC, en vue de la mise sur pied d'unités de transformation du cacao et autres produits agroalimentaires au Cameroun. Un prototype de voiture conçu et monté au Cameroun a été également présenté en marge de la convention. L'information est à retrouver en page 7. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin nous présente le budget de la CAN Total Énergie 2021 et nous renseigne que ce budget-là s'élève à plus de 13 milliards de francs CFA. Pour l'hebdomadaire Diapason qui en parle également ce matin, CAN Total Cameroun 2021, l'organisation a plus de 13 milliards de francs CFA. Le budget est réparti entre 15 administrations superviseuses et ordonnatrices et le ministère du Tourisme et des Loisirs a la plus grosse enveloppe. S'agissant de la commission sécurité, le montant de l'enveloppe que devront bénéficier la DGSN, le MINAT et le MINDEF n'est pas donné. Communication et promotion autour de l'événement par un pauvre et pourtant 13 310 000 francs CFA ont été budgétisés pour 16 organes opérationnels. D'après le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune, parution de ce 7 octobre 2021, Ruth Babadjou Bamenda, le Premier ministre, annonce la reprise. Au deuxième jour de sa visite de travail dans la région du Nord-Ouest, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Goutté, a fait savoir aux populations hier que les travaux de construction de cet axe stratégique allaient reprendre incessamment. La rencontre a également été l'occasion pour 13 ex-combattants repentis de se présenter. Pour le quotidien Le Jour cependant, on parle également de ces projets routiers, mais la Banque africaine de développement menace d'annuler un financement de 188 milliards de francs CFA. Le climat est tendu entre le Cameroun et la BAD à cause des lenteurs de la partie camerounaise dans la conduite de certains projets financés par la Banque continentale. Bamenda également ce matin en petite une, un meeting couru du Premier ministre et également une nouvelle ère à la Chambre d'agriculture. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en détail dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien Éco-Santé pour sa part ce matin parle en grande une du prix de l'excellence du leadership en santé et nous présente dans ses colonnes ce matin les formations sanitaires privées nominées. Également, le quotidien en haut de une nous parle de l'inédit. L'Organisation mondiale de la santé autorise le vaccin contre le paludisme en Afrique. Après donc le succès du vaccin appelé RTS-S au Ghana, au Kenya et au Malawi, l'Organisation mondiale de la santé vient de donner son feu vert pour que le vaccin puisse être déployé sur toute l'Afrique subsaharienne et dans d'autres régions où la transmission du paludisme est modéré ou élevé. L'information est à retrouver en page 11. Le quotidien Le Messager de Fepius Diaoué qui parle de renouvellement des organes de base du RDPC titre ce matin « Comment le RDPC a fui le NOZO ?» Absent dans les régions en crise, le parti de Paul Biya qui s'est vanté d'avoir fait carton plein des sénateurs, députés et maires, obligé d'expliquer la provenance de son électorat. L'information, vous l'aurez en page 3 du quotidien Le Messager qui s'interroge ce matin en page 2. Cameroun qui assure la sécurité des citoyens. Force de sécurité et de défense accuse le gouvernement de faire le jeu de l'insécurité dans l'espace public. On reste dans les parties anglophones du Cameroun avec le quotidien L'Info à chaud qui donne la parole ce matin au professeur Chanda Toné, président médiateur universel MPDR. L'État ne pliera jamais face à des gants sanguinaires. Pour l'hebdomadaire Forum Libre qui parle de la mission suicidaire du Premier ministre à Bamenda, ce sont des rencontres en quantité mais sans qualité. Du sud-ouest au nord-ouest, le Premier ministre reçoit, écoute et consulte beaucoup. Au centre des tirs nourris mardi dernier à son arrivée à Bamenda, le malchanceux John Goutté semble mener un combat de sourds avec comme joker la présentation aux populations de 13 ex-séparatistes en l'absence des véritables interlocuteurs. Traumatisme d'une haute personnalité qui a vu sa chefferie partie en fumée à la veille de sa nomination comme Premier ministre. Des signes d'échec s'interrogent ce matin l'hebdomadaire Forum Libre.
S'agissant également des travaux du barrage hydroélectrique de Memvelé, les décrets d'indemnisation ont été signés, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Le magazine Défi Actuel pour sa part ce matin donne la parole à Joseph John Gauté, Premier ministre. Si les anglophones continuent ainsi, le reste du pays va les rejeter. D'après la grade 1 du magazine Défi Actuel, le Premier ministre a attiré l'attention des populations sur les conséquences que les actes des séparatistes pourraient avoir sur les ressortissants anglophones résidant dans les autres régions du pays. C'est à retrouver en page 3. Avec le quotidien L'Économie ce matin, on parle du sommet Afrique-France et on s'interroge. Quelles opportunités pour les entrepreneurs africains? Ils sont plus de 500 opérants dans les secteurs du numérique, de l'agriculture, des industries culturelles et créatives à être invités par Emmanuel Macron à l'événement qui se tient demain 8 octobre 2021 à Montpellier, c'est en France. La Voix du Centre, pour sa part, ce matin, parle du décès d'un employé de Prométhal et nous présente le certificat de jarre de mort qui accable l'entreprise. Certificat de jarre de mort établi par la clinique Edimed et formel sur le fait qu'Aimé Claude Bailly, monteur chaudronnier en service depuis 2015 à Prométhal, était déjà mort à son arrivée suite à un traumatisme crânien sévère. L'entreprise, quant à elle, affirme que son employé serait mort au cours des soins intensifs reçus à la clinique. Des contradictions qui alimentent la théorie soutenue par la famille de Claude Aimé Bailly d'un assassinat planifié. L'information est à retrouver en page 3. Avec le biais hebdomadaire, La Voix des Jeunes ce matin parle des États-Unis d'Amérique. Le Togo célébré titre ce matin le biais hebdomadaire. Pour le journal Politics Hebdo, on titre ce matin Mbanga Must Change, la résurrection. Les ambitions de Madame Ndiaye née Andele Henriette, maire de Mbanga, sont à retrouver ce matin dans les colonnes de The Politics Hebdo. Avec la grande tribune, on s'intéresse plutôt au ministère des Transports où on a deux projets d'envergure à fort potentiel économique. Le premier projet qui va générer de nombreux emplois tout en assurant la sécurité des travailleurs concerne la gestion et le suivi centralisé par géolocalisation des bus de transport interurbain sur les axes routiers Douala Yaoundé Bafoussam, communément appelé triangle de la mort, avec pour objectif final la réduction des risques d'accident. Le second projet axé sur la compétitivité de la capitale économique est relatif à la mise en circulation des bus ultra rapides circulant sur les axes spécifiques dans la ville de Douala pour le transport de masse afin de décongestionner la circulation. L'information est à retrouver en page 6 de la Grande Tribune. Le quotidien Réalité Plus de Paul Ngwarikindi pour sa part ce matin titre à sa grande une « Encore une cinquantaine de marabouts à Yaoundé pour bloquer Paul Biya et le gouvernement qui arrive ». Ils ont repris leur position dans certains hôtels de Yaoundé et dans certains sous-quartiers. De sources sûres, ils viennent bloquer Ngongo, Vondo Ayolo et Paul Biya pour empêcher que le gouvernement qu'on dit en chantier ne sorte. L'information est à retrouver dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, notamment des pages 2 à 3. Également, on parle du Mayo Tsanaga, l'Amida de Moufou, Soumbou Angoula, intronisé notable en chef. La même information est relayée ce matin par le journal Le Pélican. Le biais hebdomadaire Le Financier d'Afrique s'intéresse à la régulation ce matin et nous parle de l'amélioration des normes prudentielles des banques de la CEMAC. Les normes les plus respectées se rapportent au plafond global des risques, aux capitaux propres et au rapport de liquidité selon le rapport de la politique monétaire publié en septembre 2021 par la BEIAC. Transformation digitale en petite une, DPI lève 651 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises innovantes en Afrique et puis Made in Cameroun. Les pistes pour booster l'industrie pharmaceutique locale sont à retrouver dans les colonnes du biais hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Avec le magazine Cameroon Business Today, on parle de développement du bassin du lac Tchad, le chantier de la reconstruction, titre ce matin le magazine. Les gouverneurs des régions affectées ont pris l'engagement de travailler sur des projets socio-économiques au terme de leur conclave du 4 au 5 octobre dernier. La priorité sera accordée aux infrastructures routières, hospitalières et éducatives, indispensables pour le retour des déplacés dans leurs villages respectifs. Les corridors transfrontaliers entre le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger devant accélérer les échanges feront l'objet d'une attention particulière. Le focus à ces sujets est à retrouver les pages 15 à 19.
Pour l'hebdomadaire Flèche d'Afrique, on parle de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat 2021. Et l'hebdomadaire nous renseigne que l'organisation a été réussie. C'était donc sous la houlette de Célestine Kétia-Cortez, ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Terminons ce matin avec le quotidien. Le quotidien qui nous amène à l'hôpital régional de Maroua et nous renseigne que cet hôpital désormais est doté d'un plateau technique numérique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.